Maîtresse, il y avait contrôle aujourd'hui. Si, elle l'a dit hier. Oh. Eh ben, fallait réviser. Oh. Merci. Oh, trop facile, puisque j'ai révisé. Oh. Après Fabien, le petit handicapé autiste en fauteuil roulant. Même au basket, il le prenait avant moi et pourtant il n'avait pas le droit. Mais ça c'était avant que je découvre le sport au collège. Pour vous donner une idée, moi, en cours de PS, c'était un mélange de Gilbert Montagny au tir à l'arc, Marianne James à la poutre, et Mimi Mati au 110 mètres R. Non, en fait, je prépare la kermesse de l'école. Ça vous parle, la kermesse, vous voyez ce que c'est ou pas? Oui. Si, forcément, vous voyez, quand vos enfants ils sont déguisés en nénuphar et qu'ils passent 10 secondes sur un spectacle de 2 heures. C'est ça le concept. Donc, une kermesse, ça se prépare très longtemps à l'avance. Pour vous donner une idée, mes élèves, ils ont 4 ans. Donc, on a mis un mois pour qu'ils se rangent les uns derrière les autres. Grosse ambiance, hein. Heureusement, on a arrêté l'habitude des toilettes mixtes sans porte dès qu'on a fini la maternelle, parce que sinon, vous imaginez? Vous imaginez ou pas? Imaginez. Je suis fatiguée, moi, en ce moment. J'en peux plus. Oh, Corinne, t'as une belle culotte. T'as le soutif à sortir ou... Oh, franchement, il est trop beau, quoi. Tu as pris où? Ah, chez H&M, autant. Ouais, mais je me prendrais le même. Franchement, j'aime beaucoup, quoi. Et en fait, la réunion du 12, elle est annulée ou pas? Ouais? Elle est annulée? Non, tu sais pas. Eric! Eric, en fait, la réunion du 12? Ouais, elle est maintenue. Ouais, ok, super. Corinne, tu me passes du PQ, s'il te plaît, j'en ai plus. Hein. Ouais, merci. Non! Fais peinture, parce qu'on fait beaucoup de peinture au sein maternel. On fait peinture, j'en ai une qui arrive. Maîtresse! J'ai attaché mon bardeur, ma mère va me tuer! D'abord, on dit débardeur. Bah non, j'en ai qu'un. Alors là, c'est le printemps, on travaille sur les petits des animaux. Alors on les passe tous en revue. Le petit de la vache, c'est le veau, oui, c'est bien, c'est le veau, c'est bien. Le petit du canard, non, c'est pas le canari, c'est le caneton. Caneton. Le petit du lapin, vous connaissez? Non, c'est pas le lapinou. Non, pas lapinou. C'est l'apereau. L'apereau. L'apéro. Je sais pas quand on reçoit les chips et les olives, mais... Non, c'est pas ça. Et moi, mon petit Lucas, l'autre jour, sa mère qui lui dit « Alors, tu t'es bien amusé à l'école, qu'est-ce que tu as fait ?»« Oh, c'était trop bien, la maîtresse a fait la pute !» Le principe de la soirée. Bah, du coup, je fais pas tout mon spectacle. Bah, ça dépend, il dure combien de temps ton spectacle? 1h10, 1h11, ça dépend si les gens rigolent. Ah. Bah, fais le meilleur. Le meilleur? Ouais, le meilleur. Ouais. Le meilleur? Ouais, le best-of. Ok, ça marche. La crème. Allez, le top. Ouais. Check Avignon. Check Avignon. Ça va? Oui. Oui. J'ai rien entendu. Oui.
Vous avez envie de rigoler? Oui. Ok, c'est parti. Comment il fait l'autre con? Allez, comme ça. Alors. C'est l'histoire d'un papa qui va avoir. C'est parce que je la connais. Et alors, et c'est l'histoire d'un papa qui va avoir un pote à lui. Il lui dit ouais, putain, mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. L'autre lui dit merde, il doit être loin. Si tu n'habites pas à Avignon, c'était pas au bout de ta vie. Et tu vas pas à la Fnac si t'as une idée de cadeau. Hein. Et parfois, il y en a, ils vont à la Fnac, ils t'offrent un bon Fnac. Oh, pas du tout, enculé. Hein. Ça fait pas 15 minutes là, hein. Là, je m'emmerde déjà. Mais... Après, moi, je suis là pour vous donner de l'amour, les gars. Je suis là pour vous donner de l'amour. C'est Coluche qui disait ça, je sais pas qui c'est que Coluche. Coluche. Attention à un camion! Coluche. Et je l'ai fait à Nice la semaine dernière, ils ont pas rigolé du tout. Trop tard. Non, Coluche, il disait des gens qui aiment sont des gens qui rient, ça c'est important. Et les gens qui rient, c'est les gens qui payent, et ça c'est très important. C'est que Del Valle qui dit ça. Non, on critique pas les collègues, c'est vrai. Après, je suis pas banquier, moi. Non, je suis allé voir Gadel Mallet en spectacle pour me divertir. Mais vraiment me divertir, genre pas comme ce soir, genre vraiment. 70 euros à la place. Alors Albinos, genre. Alors l'évolution, Rulbinos. Attrapez-les tous. Non, t'en crois un, tu fais un peu Serra. Alors l'ouvrier, pour ceux qui voient pas ce que c'est, comme on est à Avignon, je vais expliquer ce que c'est. L'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous voyez plus après le brevet des collèges. Il est où Kevin? Je sais pas, t'es derrière nous tout à l'heure, il est parti. La salle est géniale, le public est... Et là... Non, c'est cool, je suis très content, voilà. Je me présente pour les gens qui n'ont pas Google, hein. Je m'appelle Hazard et comme mon prénom l'indique, je suis au chômage. Non, je déconne. Non, moi je suis musulman, j'en ai marre d'un truc, c'est qu'aujourd'hui en France, on catalogue sans cesse les gens par rapport à leur religion. T'es musulman, t'es un terroriste potentiel. T'es juif, t'es plein d'argent, hein, t'es catholique, tu fais de la randonnée. Toi. Bonsoir, amis du Vaucluse, bonsoir. Bonsoir. J'ai juste compris un instant pour remercier Chris, Christophe, qui fait une super organisation, vraiment. Viens dans ma rue. Tiens l'entretien d'embauche, tu sais pas trop si tu vas passer, si ta tenue est correcte. Viens dans ma rue, viens t'évaluer dans ma rue. Je les vois pas trop tout le monde.
À qui d'autre? Vous, madame, vous avez peur d'être recalé en boîte de nuit? Vous savez pas trop si... Ouais, pardon, en fait, allumer la lumière, excusez-moi, c'était en discothèque peut-être dans les années 60. du coup, toi, là-bas? Non, mais pour ceux qu'on peut en différents calais, viens dans ma rue, faites-vous, ils veulent vous parler. Moi, sincèrement, c'est un indicateur dans ma vie. Je me dis, voilà où j'en suis dans le style. Du coup, bon, j'ai fait un peu plus d'efforts. Sincèrement, j'ai pas de difficulté à parler de Rome, c'est un peuple que j'admire. Non, pour moi, ils sont dans le futur, ces gens-là. Ils ont tout compris. C'est-à-dire, dans un monde qui est inquiet par Poutine et Trump d'un autre côté, eux, vraiment, ils sont détendus. Ils sont bons de rien du tout. Voilà, mais ça, prenons 5 secondes. On va prendre le scénario le plus catastrophique qui existe, d'accord? Guerre bactériologique, guerre nucléaire, attaque de zombies. Voilà. Dans un épisode de Walking Dead, personnellement, un Rome, il déshabille un zombie en sifflotant. C'est bon. Et à la limite, le zombie sera moins insultant vers lui, il peut plus le respecter. Il y a autre chose à dire sur les Roms, personnellement, moi je trouve que c'est bio. C'est bon, en plus, qu'ils ont envie de changer le gouvernement, qu'ils y croient encore, qu'ils luttent, puis il y a ceux qui descendent, qui sont totalement désolidarisés du groupe, et qui s'en vont. Et moi je suis dans les escaliers comme ça. En galère, pardon, excusez-moi, je descends plus vite. Tu vois, il y a Hollande qui descend d'un coup, je dis putain, le mec, il a abandonné, c'était bien un moment. François Hollande, peu importe ce qu'on pense de lui, je trouve que. Il n'a pas eu un mandat facile, quand même. Des attentats, l'affaire Théo, le pire, ça a été quand même peut-être l'affaire Thévenoud. Je ne sais pas si vous en rappelez, l'affaire Thévenoud. L'affaire Thévenoud, c'est le gars qui est venu et qui a fait passer la loi sur la transparence. Voilà, c'est un peu grâce à lui qu'il y a ce foutoir en ce moment au gouvernement où ils sont tous obligés de cacher des comptes, tuer leurs femmes, etc. Mais c'est grâce à lui l'affaire Thévenoud, et il a cru que c'était son credo, sa philosophie de vie. Il s'est dit, allez, on va combattre ça, je vais faire passer une loi sur la transparence. Sauf qu'il est resté 9 jours au gouvernement. Il s'est fait choper pour fraude fiscale. Parce qu'il avait la phobie administrative. Fraude fiscale. Le gars, c'était sa philosophie de vie. C'était son credo. C'est comme si demain on apprenait que Marine Le Pen faisait des soirées chicha burka. Ce soir, celui ou celle qui remporte le vote du jury est monsieur Émeric Lauvray. Un grand bravo, parce que tu l'as fait comme tu sais le faire. Comment donner une commentaire, bravo. Et donc, je te souhaite, si tu es dispo, on serait vraiment très heureux que l'année prochaine, lors des concours d'Avignon, tu viennes présenter ton spectacle en intégralité. Et je suis sûr qu'il y en a qui viendront, c'est vrai? Je ne sens pas descendre, c'est un cadeau, puisqu'on a ici et dans la salle, et ils vont se reconnaître, il y en a vraiment plein, vous êtes très nombreux ce soir, vraiment des fidèles du Paris, donc je ne peux pas tous vous citer, mais vous reconnaîtrez, grâce à vous, ce théâtre, il vit très bien, et il y a même parmi vous, ce soir, un spectateur qui a tenu à récompenser lui aussi à sa manière le gagnant, donc il t'offre un cadeau qu'il va pouvoir découvrir, je vais l'ouvrir avec précaution, tu m'aides? J'ai dans cette enveloppe les résultats du vote du public. Attention, suspense. Ou la personne. J'ai regardé la nouvelle star pendant 10 ans. J'ai duré une heure. Le ou la personne qui remporte le vote du public ce soir au Paris, à Avignon, dans le Vaucluse. C'est pas loin du cours d'Avignon finalement. C'est Émeric Lauvray, mesdames et messieurs.
j'étais déjà bourré, mais merci beaucoup. Merci au public. Si vous êtes d'accord et si vous avez encore un petit peu de temps, on va faire très vite pour vous rejoindre dans le hall. Donc si vous souhaitez discuter, je félicite tous les participants. En tout cas, moi je le fais. Merci à tous. C'était une journée vraiment extraordinaire avec vous. On va également applaudir Christophe, Marie, Jean-Michel Charest, et Patrick, qui est très sympa. Le relais, voilà. Merci beaucoup.